You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared. Eh bien, salut à tous les gamers, c'est Graphique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la forme. Bon, à part aujourd'hui, les amis, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve un peu avec de la nostalgie. Un très gros gameplay réalisé par Croc ton père. Donc aujourd'hui, j'ai envie que vous le félicitiez dans les commentaires pour son énorme gameplay que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà, nous avons sous nos yeux une quad nucléaire fail avec Penta 10 kills. C'est-à-dire qu'il a fait des 10 kills, mais genre quand il voulait. C'est juste énorme. Quand j'ai vu la description de son gameplay, j'étais un peu sur le cul parce que je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte là? Donc voilà, franchement, j'ai poussé un cri très très viril. Voilà, mais franchement, la réaction était assez similaire quand j'ai vu un peu la tronche de son gameplay. Donc vous l'aurez reconnu, nous sommes sur la map E-Jacket à la N94. Voilà, franchement, ça fait du bien de revenir un peu aux sources comme ça. Ça, voilà, on voit plus de personnages qui volent, genre les mecs qui font du tir au pigeon, je ne sais quoi. Ça fait du bien un peu de voir tout ça. Donc pour le mode de jeu, les amis, nous sommes en multi-équipe point stratégique. Donc voilà, le gameplay est présenté, donc j'espère que vous allez être hyper nombreux à le féliciter, parce que là, franchement, voilà, si vous arrivez à me sortir un gameplay à peu près pareil, je vous attends. Voilà, je vous fais un petit coucou si vous êtes assez balèze, mais franchement, je pense que vous pouvez comprendre, que vous pouvez le remercier, parce que voilà, une très belle performance. N'hésitez pas également à remercier le Minia Maker qui vous a fait cette très belle miniature, les amis. Comme je le dis souvent, n'hésitez vraiment pas à le féliciter. J'aimerais bien voir le nombre de personnes qui pensent à le faire, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également, si jamais mon commentaire vous a plu, à me donner votre avis dessus. Si jamais il ne vous a pas plu, à me dire pourquoi il ne vous a pas plu. J'ai déjà eu des commentaires comme ça, ça m'a fait extrêmement plaisir de savoir comment l'améliorer. Aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux pour vous satisfaire. Alors, niveau sujet, je vais partir un peu en steak, on va dire. C'est assez étrange. Donc voilà, on va voir ce que vous pouvez me dire là-dessus. On va en discuter ensemble, quoi. Alors, on se place dans la peau de quelqu'un qui vient de gagner au loto, les amis, voilà. Hein. Imaginez, mais n'imaginez pas trop, parce que sinon vous allez quand même être déçus, puisque vous savez que vous ne les avez pas, les sous. Mais voilà, on va se placer dans la peau de quelqu'un qui a gagné 1 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous faites avec, les amis? Franchement, je trouvais ce sujet-là comme ça, voilà, je me suis dit, bah tiens, moi j'ai des idées, je vais vous les exposer, vous allez me dire les vôtres, les amis, je pense que ça peut être assez drôle d'échanger là-dessus. Alors, pour ma part, si jamais je gagnais autant d'argent, je pense tout simplement qu'en premier, je vois un peu tout, je note sur une feuille toutes les idées que je pourrais avoir. Donc c'est-à-dire, me faire construire ma maison, déjà de me barrer de France, déjà je me barre loin, voilà, les Français me cassent les bonbons pour être poli. Je me barre dans un pays où voilà, les gens sont cool, détendus. Je dis pas qu'il y a que des gens cons en France, mais voilà, hein, c'est un peu mon avis là-dessus. Après, je vais me faire critiquer dans les commentaires en disant un tas de choses qui n'existent pas, voilà, franchement c'est mon avis. Moi je me barrerais d'ici pour aller voir un autre pays, quelque chose de, voilà, un autre paysage, d'autres gens, voilà, une autre culture. Ça me ferait extrêmement plaisir d'aller visiter d'autres pays comme ça. Donc voilà, moi déjà c'est ma première idée. Donc voilà, ma maison j'y ferai construire là-bas, je me ferai un beau truc, franchement, honnêtement je m'en bats les steaks d'une piscine ou quoi, ça peut toujours faire plus sympa. Mais voilà, déjà principalement me mettre dans une maison où je suis à l'aise, où j'ai des grandes pièces, une grande gaming room, mais genre un truc du futur quoi, avec genre des micros de partout, des écrans énormes, franchement vraiment de quoi me faire plaisir, vraiment de quoi avoir le sourire quand je rentre dans ma maison et me dire bah allez, voilà, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux dedans, ça serait vraiment chouette, franchement. Voilà, ça serait les premières choses que j'aimerais faire. Après, bien entendu, la plupart des gens le disent, mais je pense vraiment que c'est important, c'est de le partager avec sa famille, parce que voilà, même si vous donnez rien que 1 million par-ci, 1 million par-là, ou même 500 000, tu vois, pour toi ça fait rien, tu viens de gagner 1 milliard, dans 1 milliard t'as beaucoup de millions, donc voilà, tu peux vraiment en passer à tes amis, à ta famille, pardon. Après, les amis ça vient en secondaire, je pense, malgré que vous pouvez leur en passer. Par exemple, tu leur passes, genre, je sais pas, 100 000, 200 000, voilà, à tes amis, ça fait déjà un gros budget, franchement c'est énorme. Tu gagnes même pas ça en une année de salaire, ou à peu près, ça dépend des personnes en fonction de ce que vous gagnez, mais en général voilà, hein, un beau billet comme ça ne se refuse pas. Donc je pense, voilà, rien que pour montrer, voilà, qu'on n'est pas égocentrique, qu'on ne pense pas qu'à nous, le fait de partager son argent peut être assez sympathique, bien entendu pas à tout le monde, seulement à nos proches, à ceux qu'on aime et à ceux en qui on a confiance.
Après également je me ferai des petits plaisirs, faut pas croire que voilà t'as ton argent. Après moi ça me changerait pas ma manière de vivre, c'est à dire une hygiène toujours saine et tout ça. Vraiment ça changerait pas là dedans mais genre je me ferais plus plaisir. Par exemple quand j'aurais envie de quelque chose, ben on se pose tout de suite moins de questions. Bon de toute façon je suis pas encore adulte, j'ai 17 ans voilà donc je suis pas encore adulte. Donc j'ai pas à réfléchir à trop de choses, que je veux dire j'ai pas à payer mes factures de gaz et tout ça. À ce moment là voilà, une fois que t'as beaucoup d'argent tu te poses moins de questions, voilà tu te fais plus plaisir. Je sais pas, demain, je sais pas, t'as envie d'aller à Disney, quoi, et bah tu vas te payer une place pour aller à Disney et te faire un truc. Tu veux un baptême de l'air, bah tu te fais un baptême de l'air, voilà, vous posez moins de questions dans la vie, et je pense que ça c'est super chouette. Après, je sais pas, voilà, moi c'est un peu les idées que j'ai, je sais pas trop. Après, je préfère pas trop y penser parce que ça me dégoûte plus, ça me fait mal d'y penser, parce que je sais que j'ai pas gagné, donc j'ai un peu le seum d'une certaine manière, mais voilà, je pense. J'aimerais bien avoir vos avis sur vous, ce que vous pensez, ce que vous aimeriez faire avec cet argent. En tout cas, j'espère que le gameplay, que la vidéo et le commentaire que je vous ai proposé vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Obscure, à aller checker la chaîne du joueur, féliciter le Minia Maker et n'hésitez pas à aller checker ma chaîne. J'aimerais bien arriver bientôt à monter un peu plus là parce que ça stagne un peu. On va pas dire qu'il y a une période de mou, mais un peu quand même. Donc franchement, si vous pouviez m'aider à venir sur ma chaîne, ça serait super sympa, les amis. Je compte sur vous. En tout cas, moi j'ai dit ciao tout le monde, les amis, et portez-vous bien. Tell her she never wrong, I tell her that she the reason. My bucket list, tell her long, my future in it with all you. Presently it involves you, they tell you nothing. I'm telling you what I call truth. I'm trying to be the man floating in your galaxy, helping to touch stars to better up your mentality. A group effort, I've consciously put in work, reiterated your wealth by showing you what you're worth. Your thread count, too many strings to bust back. If they did, know it's only a king who touched that.